Eh ouais, elle est là. Elle est là, c'est le retour. Rexounette, tyrannosaure parmi les tyrannosaures. La terreur de The Hell. Exterior de Primal. Mais bon, c'est RIP. Bref, on est sur un serveur. Alors, si vous voulez venir, évidemment, pour prêter coup de main, je sais pas, pour devenir bébé, faire quelque chose, jouer un peu ensemble, le serveur, c'est Azura 5, No Rules on Dinos. Donc c'est un serveur qui est un poil bordélique, mais ça convient très bien à Rexounette, parce que Rexounette n'a pas l'âme, n'a pas le cœur. Elle pense juste à vivre. J'entends un autre Rex. Alors j'espère que ça va pas être la fin de la vidéo et la fin de la série Rexounette aussi rapidement. Ça serait plutôt dommage, disons-le. J'espère que ça va bien se passer. On va aller se... Oh là! On va aller se faire une petite rencontre. Oh, il y a un bébé T-Rex qui est mort ici. On va bouffer. On va bouffer tranquillement. En vrai, j'ai pas trop envie de me battre là, pour l'instant. J'ai envie de vous montrer à quel point la grande migration de Rexounette, elle est partie d'une île boisée, extrêmement humide. Bon, là, c'est vrai que c'est très humide aussi. Mais d'une île boisée avec une végétation très dense. Et elle a migré au travers les mers sur une autre île. Sur une autre île beaucoup plus grande, beaucoup plus dangereuse. Et avec moins de végétation et moins de possibilités d'embuscade. Donc, pour le moment, Rexounette a envie de s'établir, de retrouver et de prendre les marques sur son nouveau territoire. Donc on a envie que ce soit tranquille pour l'instant, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Salut! Salut le Rex! Il va avoir peur, il va m'attaquer. Yo! Je suis gentil, hein. Je suis gentil, t'inquiète. Hi, Pharaoh! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'embrouiller? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me croques pas, hein? Tu me dis quoi? J'aime pas trop parler là. Hi, we are helping our friends to get here. Ok. Ok, ben, sauvons l'espèce. Sauvons l'espèce, formons un pack qui pourra permettre au Tyrannosaurus Rex de survivre sur cette île. No problem, I'll do. Terry friend with me. Il y a une Terry ici. Je mange les Terry. Comment tu veux qu'ils y arrivent? Vas-y, mon objectif, ça va être d'aller escorter Lovely Exy. Mais bon, là, en vrai, de vrai, j'ai pas envie de partir tout seul de nuit. Donc, on va peut-être attendre un pitchoulou. Ce qui se trame, en fait, c'est qu'on a une petite famille. Donc, on va se poser par là. On va commencer tranquillement avec Rexounette. Elle prend ses marques sur sa nouvelle île, hein, comme je dis. Donc, ce territoire est à moi. Tout simplement, à moi et à moi seul. Avec ma petite famille. Donc, on va faire un petit nid. Oh! There is somebody here! Un petit Terry? Bon, c'est un cousin. C'est un cousin. Donc, on va partager. Ça va, on va partager le territoire. NP le Terry. Par contre, tu fais un move de travers. Je te fume. Bon, on va couver. Et on va attendre. On va attendre. Ben voilà. Hein, d'avoir les babies, d'avoir une petite famille. Essayer de voir ce que ça va donner, une belle famille de Rex. Le Rexounette qui s'est enfin posé, qui prend ses marques, mais bon, qui continue quand même à avoir du mal à rester stable. Donc ça risque de partir en cacahuète à n'importe quel moment. Mais bon, ça, pour l'instant, ce n'est pas l'actualité. Bon, il y a des bébés là qui ont du mal à s'en sortir. Donc ben, Rexounette va être obligé d'aller les aider. On va les escorter jusqu'au nid. Jusqu'au territoire de Rexounette. Avant toute chose, il va falloir descendre d'ici. Ouais, ils sont là. Faut juste pas que je crève. Ça serait somme toute assez désagréable.
de mourir comme ça. Si Rexounette meurt en se cassant la jambe, ça serait terrible. Ça serait tout vraiment terrible. Donc on y va YOLO. MOLO. What the fuck. Vas-y. Putain, ça m'avait manqué ça. Ça m'avait manqué. Rexounette. Pas de cassé, Rexounette. Ah, la petite descente là, je l'ai mal négocié. Donc on va se poser là, à l'abri dans le bosque. Dino in front. Et arrêtez de me faire stresser. Comment ça, Dino? C'est qui, Woosh? Dogma, did you scream? Nope! Nope! J'ai pas scream. Regardez-le, le papa là-haut, là. Tranquillou. Oh, pas de risque lui. Ouais, cette famille, je sens que c'est une famille de bras cassés. Hein. Donc je pense que je vais pas rester avec eux. Dit-il en se jetant d'une montagne. Ok, la patte est réparée. Bah du coup je vais aller chercher le bébé. Hein. C'est l'objectif à la base, mais putain, c'est long. C'est long, qu'est-ce que c'est long. Alors Love Exi. Ce sera toi la première sécurisée. Ouais, si on peut dire, hein, parce que franchement, c'est pas ce qui peut traîner quoi. Faut vraiment être très attentif. Ok, but I need food. Bah gros, ouais. Tout le monde je crois. Hein. C'est vrai que depuis que je suis arrivé, j'ai pas entendu un seul lit. Hein. Alors que en haut, là, il y a des nids. Voilà quoi. Pas dire. Je crois que c'est un peu le délire, hein. Genre pour manger sur ce serveur. Il faut tuer les autres. I need water, I need food, vous avez tous des problèmes, pas possible. L'eau c'est pas compliqué quand même les gars, il y a des points où il y a de l'eau. Tu bois à fond et après tu vas au prochain point et il y a de l'eau. Bon, Love Exi. Alors, comment ça se trame? T'es en forme, t'es pas en forme? Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Alors le bébé. BB Rex. Ok, bon, c'est sécurisé derrière. Elle va aller au nid. Je vais chercher les autres. Là, je vous dis, on reprend le jeu tranquille et tout. Voilà quoi, hein. Donc les fights et tout ça, pour l'instant, faut que je reprenne la main sur Rexounette. Parce que Rexounette, elle a un peu rouillé hein, depuis le temps. Hein. Depuis le temps, elle a perdu en entraînement et du coup, elle sait plus trop comment faire. Y'a rien à griller. Yo les bébés! Salut vous! Voilà! On se retrouve tranquille! Allez, allez, viens boire, t'as dit que t'as soif! Viens boire, on pas fou! Ah oui, il prend des dégâts et tout! On va boire. Pour ma protection. Là. Il y a qui s'approche, le bouffe. Viens là, bébé, viens. Viens, Noni, viens. Viens, Noni. Et les enfants, il reste qui? Il reste que Alice là-bas. Bon, Alice, tu m'excuseras, je vais pas aller chercher trop loin. Bon, un coup, moi aussi. Hein. Pas ça. Là. Ouais bébé, voilà, on va remonter là-haut avec tout le reste de la famille. Et une poule. Venez, venez.
Venez les enfants. Venez ou je la bouffe moi la poule. Ou je bouffe vous, je sais pas. Allez la mère protectrice. Elle est où cette poule? Elle est là. Poule. Vas-y chasse. Allez, y'a à manger ici. Allez bébé, on mange et après on va au nid, hein. Ok. Les plus faibles d'abord, wouche. Ok. Avec Sounette veille au grain. J'ai entendu des alosans pas très loin, donc faire gaffe quand même. Allez les bros. Ah c'est beau cette image. Avec Sounette et sa famille. Allez les enfants. Il y a une petite côte à monter là. Une petite côte à monter après l'effort est terminé. Vous arrivez en zone sûre. Ah c'est bien de reprendre comme ça un petit peu avec Sounette dans l'amour. Dans l'amour et la bonté. Dans la joie et l'allégresse. Dans l'aide au prochain. Ça c'est intéressant quand même, non? Toujours tuer, tuer, tuer. Non, ça suffit. Alors, est-ce que ça passe par là? On va essayer de faire un petit raccourci des familles. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Vas-y les bébés, ayez confiance. Ceux qui craignent le plus, de toute façon, c'est moi. Donc, on commence à faire nuit, là. On connaît ça. T-Rex, Sounette 4-4. Ah, putain d'arbre, comme... Mais ouais les enfants. Yo bon, mais pour moi quoi. Mais par contre mon mal il s'en fout de ma tronche, hein. C'est grave. On rejoint la famille. Il y a tout le monde. Vas-y Noni. Allez, on rentre au bercail. On rentre au bercail. Mais ben, je pense qu'avec le père ça va partir en cacahuète. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, le père, je le sens mal. Je le sens très très mal. J'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de Rex Sounette. Donc bon. Ah, c'est vrai qu'il y a lui. Là. Yo. Tu t'arrives quoi, le Vexi? Ah non, c'est Alice. Et quoi? Attends, mais c'est une cheateuse. She's hacking. Mais what? Mais sérieux, il y a une hackeuse dans le groupe là? Que ce bordel là? Ah, c'est abusé quoi. Elle vole et elle marche à 10 000. Vas-y, cours! Montre-nous tes talents. C'est abusé. C'est vraiment abusé quoi. Regardez comme elle va vite. Il y a une hacker. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de hacker dans ZL. Forcément, ils sont sur Azure. Quoi. Bah écoutez, pour une reprise avec Rex Sounette. Voilà, on a fait un petit gameplay tranquille, chill. On a créé une petite famille. Je suis allé les aider. Ouais c'est sympa, bon après je vais pas rester avec eux parce que dans tous les cas avec le mal. Ouais, mais tu vas la fermer. Je parle. Avec le mal, ça va pas passer. Je vois qu'il y a dissension, je pense que Rex Sounette risque de le bouffer, ça continue. Et si tous les autres deviennent adultes, bah y a moyen que Rex Sounette se fasse bouffer. Bon, bref, la famille est trop grande, ce n'est pas la mienne. What the fuck. Puis y'a quelqu'un qui cheat, j'ai pas envie de rester à côté de ça, hein. J'ai pas envie d'être entraîné. Dans un ban, même si je dis que je m'en fous de me faire ban, là il y a Rex Sounette, donc ça me ferait plutôt. Hein. Donc, bah, j'espère que vous avez kiffé le petit retour de Rex Sounette. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Tchuss tout le monde!